réussi, mais que tu mets de là ou dans le cloud, c'est pareil. Ne pas surcharger les réseaux, je ne peux pas les mettre là et puis tu connais que. Bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire Jeudi de la recherche paramédicale, proposé par le réseau Recherche et Innovation paramédicale du GIRSI Grand Ouest. Émilie, la coordinatrice du réseau, et moi-même, Axelle Chalamon, référente paramédicale, sommes accompagnées aujourd'hui de Laurent Sanson, qui est art-thérapeute et qui va nous présenter son projet de recherche qui est associé au jeu innovant Une vie en chanson. Vous pourrez bien sûr poser des questions à l'issue de l'intervention de Laurent, et qui va durer une vingtaine de minutes. N'hésitez pas dans ce cas-là, soit à allumer votre micro, soit à poser des questions dans le fil du déroulé de communication. Nous vous rappelons que le webinaire est enregistré et que la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers dans quelques jours. Les informations associées au droit d'enregistrement, vous les avez reçues lorsque vous vous êtes inscrit pour suivre ce webinaire. Et sans plus attendre, nous allons laisser la parole à Laurent. Je me permets une petite manipulation pour que nous puissions voir ton écran, Laurent. Et c'est à toi. Eh ben, je suis fait. Ok, très bien. C'est bon. Écoutez, bonjour à tous. Je suis très heureux de venir aujourd'hui présenter un travail à la fois innovant, mais un travail institutionnel, parce qu'en fait, il y a beaucoup de partenaires qui ont participé à ce projet. Direction de la recherche, innovation, GRC, le CFPS, enfin. Beaucoup de personnes sont impliquées dans ce projet. Et d'ailleurs, au passage, et Allegro, et au passage, je les remercie. Donc, je suis art-thérapeute au CHU d'Angers dans deux secteurs. Le secteur, en fait, de la psychiatrie addictologie, où je prends en charge des personnes qui ont des troubles alcool, cannabis, anorexie, où là, j'utilise le théâtre et l'écriture. Et je travaille donc au SMR, donc c'est-à-dire soins médicaux de réadaptation, où là, je prends en charge des patients obèses également que le théâtre et personnes âgées avec la musique, et notamment avec un jeu que j'ai créé il y a quelques années, qui s'appelle Une vie en chanson. Donc, le projet a commencé avec une rencontre en 2017 avec le département de recherche et innovation du CHU Angers, qui m'ont permis en fait, de rencontrer différents partenaires sur le territoire et également faire avancer ce projet. Faire avancer le projet et également mettre en place un projet de recherche. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler à la fois de l'innovation, donc ce qu'on a pu mettre en place au CHU Angers par rapport à cet outil. Et également un projet de recherche qui a été abouti, qui a été finalisé au mois de mai de cette année. Vas-y. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur cette diapositive. En fait, l'idée, en fait, c'est que lorsqu'on vieillit, bien sûr, il y a différentes défaillances qui apparaissent, notamment la mémoire. Il y a des problèmes de perte de repères, de confiance en soi exact, également. Et je me suis appuyé en disant que la musique pouvait peut-être avoir un impact sur la mémoire. Et c'est comme ça que commence l'histoire. Enfin, l'histoire commence, si vous voulez, avec Raymonde, qui est né en 1926 et qui avait des troubles sévères en fait, de mémoire. Et Raymonde n'arrivait pas à se caler dans sa vie personnelle. Mais par contre, elle connaissait très bien Georges Brassens, une jolie fleur. Et c'est comme ça qu'il sera commencé, grâce à une jolie fleur de Brassens. Je pourrais raconter plus si vous le souhaitez. De plus en plus d'études montrent que la musique a un impact sur le cerveau humain. Notamment, je me référence beaucoup à Emmanuel Bigan, qui est un professeur de psychologie cognitive à Bourgogne et qui a également une école de musicothérapie, pardon. Et qui a beaucoup étudié l'impact de la musique sur le cerveau humain. Donc, ces travaux m'ont beaucoup inspiré et je me suis appuyé un peu sur toutes ces études pour arriver à mettre en place ce projet. Au départ, c'est un jeu PowerPoint fait comme un jeu de loi. Vous voyez donc un peu le dispositif avec une case départ en 1920-1930 et qui va jusqu'en 2020. Et l'idée, c'est de parcourir ce diaporama à la fois par les chansons françaises, mais également avec des événements qui ont pu marquer notre histoire, c'est-à-dire des événements marquants pour tous dans différentes périodes. C'est pour ça que c'est scindé par période. Vous pouvez voir sur le 1930, pardon, 30, 40
etc., etc., jusqu'à 2020. Chaque période, il y a des chansons et des événements. Fait la manière suivante. Par exemple, si on prend la période 1960-1980, je vais donc poser des questions sur l'âge. Quel âge aviez-vous durant cette période-là? Également, demander quel était leur travail, quel était également leur. Est-ce qu'ils étaient mariés? Et apporter un événement, comme par exemple les premiers pas de la Lune, Armstrong en 69, et faire un lien avec une chanson de Joe Dassin, Les Champs-Élysées. Pour chaque période, c'est le même principe. À la fois des questions sur leur vie personnelle associées à des chansons et des événements qui ont marqué notre histoire. Alors, ce document était intéressant, mais il était très limité parce qu'il était fait sur un PowerPoint avec des liens hypertextes. Donc, c'était très compliqué à exploiter par une autre personne que moi. Le fichier PowerPoint était très lourd. Et puis, à chaque fois, lorsqu'on voulait modifier des choses, il fallait passer un temps fou. Enfin, ce n'était pas du tout pratique. Et tous les, qu'on dirait, les résultats que je pouvais voir auprès des patients, ils étaient intégrés dans un fichier Excel. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait donc deux fichiers, un fichier PowerPoint et un fichier Excel. Ce qui, bien sûr, en fait, apporte beaucoup de contraintes dans le quotidien. Alors, grâce à l'opportunité de participer à un marathon d'innovation en 2021, on a pu rencontrer un partenaire sur le territoire qui s'appelle Imagine VR, donc à Laval, et on a commencé en fait, à travailler ensemble pour innover le jeu, c'est-à-dire l'imaginer dans un système qu'on appelle réalité virtuelle, en sachant qu'il y a donc deux principes dans cette entreprise-là, le cube et la valise. La valise, c'est donc bien sûr, comme le nom l'a dit, quelque chose qui est portatif, donc facilement transportable d'une pièce à une autre, alors que le cube demande d'avoir une pièce dédiée à cet appareil-là. Et bien sûr, une notion de prix aussi qui diffère entre un cube qui est beaucoup plus cher qu'une valise. Donc, une fois qu'on a rencontré Imagine VR, on a commencé à travailler ensemble sur comment on pouvait imaginer l'évolution du jeu. Et on l'a imaginé sur la manière suivante. On s'est intéressé à comment le salon français a évolué à travers les décennies, c'est-à-dire à la fois au niveau des tapisseries, au niveau des sols, au niveau du mobilier, au niveau des objets du quotidien, et montrer également, intégrer également, pardon, toujours pareil, le principe des chansons et également des événements. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on pouvait faire apparaître les objets du quotidien en grand. Vous allez voir, j'ai une vidéo qui pourra vous montrer tout à l'heure comment ça se passe vraiment. Donc, on a complètement changé le logiciel, qui était donc un PowerPoint et des liens hypertextes, avec un logiciel qui, après, va montrer le salon à travers les décennies et, bien sûr, avec des chansons et des événements. On a fait les années 50-60 jusqu'à 2020 et on a laissé également une période libre pour que ceux qui souhaitent l'utiliser puissent adapter en fonction de leurs besoins. Voilà maintenant le résultat. Donc là, par exemple, pour les années 60-70, on a réfléchi à comment pouvaient être les tapisseries, les sols, et puis on a gardé bien sûr le même principe des chanteurs et des événements, et on a fait interagir des objets, qu'on dirait, oui, des objets comme le téléphone, la radio. Qu'on peut mettre en grand au niveau de l'écran. Et puis les voitures, on a aussi intégré les voitures parce que les voitures, jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même un élément qui marque notre histoire de vie. Et puis on a mis aussi, vous voyez, Salut le copain, Lucky Luke. On a fait des liens aussi avec de la littérature et des bandes dessinées. On a également intégré directement le suivi des patients, c'est-à-dire que là, dans le logiciel, on peut donc nommer les patients qui participent au jeu. Noter également leur évolution, à savoir est-ce qu'il y a une évolution dans la mémorisation des événements qu'on peut aborder. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ici, on peut donc configurer de manière beaucoup plus simple et rapide les choix qu'on peut faire. C'est-à-dire que là, moi, j'ai fait des choix sur des chansons, des événements qui me paraissent importants, mais si un autre art-thérapeute ou un autre professionnel de la santé souhaite utiliser le jeu, il peut tout à fait adapter le jeu en fonction de ses envies et ses besoins. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rester sur Édith Piaf, on peut tout à fait changer les chanteurs et chanteuses. Pareil pour les événements. Donc ça, c'est la partie configuration du jeu.
Et puis, dans la partie démarrage du jeu, on a aussi mis la possibilité de démarrer avec évaluation, c'est-à-dire qu'on pose des questions auprès des patients avant de commencer le jeu. À votre avis, en quelle année Armstrong a posé le pied sur la Lune? Obligé de connaître la réponse, ce n'est pas très grave. Et en sortant du jeu, on pose la même question pour voir s'ils ont mémorisé en fait l'événement. Mais on a aussi la possibilité, pardon, de démarrer le jeu sans poser les questions parce que parfois, lorsqu'on a des patients très altérés cognitivement, ce n'était pas la peine de les mettre en difficulté et on va plutôt bénéficier le jeu d'une manière ludique et non pas forcément dans une démarche pour voir comment leur mémoire fonctionne. Je commence à maintenant. Donc, voici donc les deux patients qui ont testé le jeu. Donc, Michel, qui est né en 46, qui a donc 77 ans, et puis Jacques, né en 33, qui a 89 ans. Je vais vous passer un petit bout de vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte comment ça se passe. Constatant que de plus en plus d'études montrent que la musique a un effet positif sur les aptitudes cognitives, c'est dans cette dynamique que j'ai élaboré un jeu musical interactif de chansons françaises associées à des événements mondiaux qui ont marqué notre histoire située entre 1950 à 2020, divisée en période de 10 ans. Ce jeu mobilise des fonctions cognitives tout en facilitant la communication par le langage. Oh, super! Bravo, super! Depuis plus de 5 ans que j'utilise ce jeu, les retours sont positifs sur le concept, aussi bien par les patients que le personnel soignant. Mais ce jeu, dans sa conception de base, sous PowerPoint, ne pouvait pas être exploitable par d'autres personnes. Le Centre de recherche et de l'innovation du CHU-Angers m'a permis de rencontrer l'entreprise Imaginivers de Laval, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Nous avons travaillé pendant 1 an avec l'entreprise Imaginivers pour adapter le jeu en réalité virtuelle. On a imaginé que les personnes s'installent dans leur salon. Donc, on a fait tout un travail de recherche esthétique qui a permis de faire évoluer le salon de 1950 jusqu'en 2020 en faisant varier donc les tapisseries, les sols, le mobilier, les objets du quotidien, montrant également les avancées technologiques de notre société. L'immersion dans un environnement virtuel offre la possibilité de vivre une expérience multisensorielle au cours de laquelle les patients peuvent ressentir et interagir naturellement et intuitivement en temps réel. Et c'est qui le 5, Jacques? Oui, d'origine de la Guyane. Henri. Henri Salvador. D'accord. C'est pas une bonne référence quand même. Ça permet de les plonger dans le passé de manière innovante, ludique et agréable pour ouvrir le dialogue et stimuler la mémoire émotionnelle. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir les années 50, 60, 70, 90, 2000? Au-delà d'éveiller les souvenirs et de stimuler les fonctions cognitives, il favorise également le bien-être et le lien social. 2008, 2008, Barack Obama devient président des États-Unis, pardon. Et c'est la première fois qu'un de couleur noire devient président. Vous dites, Jacques, vous dites, c'est un bon président? Oui, c'est ce qu'il a dit. Un bon président, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Et tu as dit avant un bon président. Un bon président. Effectivement. Le côté créatif de l'outil permet d'adapter le jeu aux besoins et aux capacités de la personne, que cela soit en individuel ou en collectif. Alors, je vais continuer. Bien sûr, après, si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra revenir sur la vidéo. Donc, les retours de mes collègues sont plutôt assez positifs, à la fois que ce soit les médecins et les paramédicaux. Vous avez là, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir à l'écran, mais différentes personnes qui ont apporté un peu des courriers de soutien par rapport à cet outil et qui montrent en fait l'intérêt au niveau de la prise en charge. Suite à l'innovation, en fait, l'idée, c'est de voir aussi si maintenant le jeu peut correspondre aussi à la population. Et on a donc mis en place un projet de recherche qui s'appelle Vieux chansons en réalité virtuelle, UVEC VR, ce qu'on appelle également une évaluation d'expérience utilisateur. Donc là, j'ai collaboré avec le Living Lab Allegro du CHU-Angers pour justement mettre en place ce projet. Et je les remercie au passage parce qu'ils m'ont apporté quand même une aide importante dans la mise en place du dispositif. Donc,
L'expérience utilisateur, en fait, s'appuie sur différents questionnaires attractifs et MQ, en fait, qui permettent de poser des questions après, lorsque le patient a utilisé le jeu, de voir un peu si ça correspond bien à leurs besoins. Ce sont des questionnaires, en fait, qui sont, comment dirais-je, conçus pour ça. Et Allegro, qui est donc le Living Lab à Angers, a cette expertise. Donc, lorsqu'on a mis en place pour les recherches, on partait du principe qu'il fallait que 60 patients rentrent dans la recherche et également, à chaque fois, après l'utilisation du jeu, il y avait 29 questions à poser, ce qui peut paraître parfois long pour le public à qui on s'adresse. Les critères d'inclusion, en fait, c'était des personnes qui avaient un âge supérieur à 75 ans et qui avaient des troubles de mémoire non sévères, parce que comme il fallait donner son avis sur l'utilisation du jeu dans différentes sphères, il fallait quand même des gens qui puissent réfléchir et comprendre les questions. 60 personnes sont entrées dans la recherche, 41 femmes, 19 hommes. Et la moyenne d'âge est de 84 ans. Et la moyenne du MMS, c'était donc le critère aussi qu'on avait pour faire entrer les patients dans l'étude, est de 21,2. On constate quand même que 36 personnes avaient un MMS entre 25 à 30, ce qui permet quand même de voir à qui s'adressait ce jeu. Alors, attractif, en fait, ce sont des questionnaires qui ont différentes questions. À savoir, est-ce que vous trouvez le jeu laid ou beau, désagréable, agréable, décourageant, motivant, jusque pratique, pas pratique, etc., etc. Et donc, on a une échelle, je ne sais pas si vous la voyez en bas de l'écran, tout à fait d'accord en bleu, négatif, jusqu'à tout à fait d'accord en jaune, et les personnes devaient donner leur avis. Ce qu'on peut constater dans ces différentes échelles, c'est que ce qui ressort le plus, c'est que c'est un jeu qui veut socialiser. Le QHI1 m'isole, me socialise. Beaucoup de personnes m'ont traduit que c'est un jeu qui socialise. Certains aussi le trouvaient bien sûr agréable, beau, original, mais que surprenant, ils trouvent le jeu assez pratique et maîtrisable. C'était intéressant à souligner. Alors, l'autre échelle, qui est donc l'échelle QXMQ, c'est une échelle un peu plus complexe, je trouve, moi, à faire passer auprès des personnes âgées, parce que les questions, elles sont beaucoup plus subtiles. Là aussi, ce qui ressort, c'est que le design est attrayant, c'est que ça peut correspondre à des objectifs pour travailler la mémoire, pour travailler la communication, la relation. Et qu'il y a une question qui était un peu complexe. Est-ce que vous pensez que ce jeu peut me donner une meilleure image auprès des autres? C'est une question, en fait, où les personnes âgées n'ont pas forcément de réponse parce que pour eux, une meilleure image à leur âge, ça les importe peu. C'était un peu une question pour moi qui me permettait de voir s'ils comprenaient bien également le questionnaire parce que c'est une question un peu particulière. Dans le jugement global, en fait, vous avez également un score assez intéressant parce que sur 5, les personnes ont évalué le jeu comme un produit très intéressant à une valeur de 4 sur 5. Alors, ce que je constate, c'est que le questionnaire attractif a des questions beaucoup plus adaptées pour les personnes âgées. Je trouve que c'est des questions beaucoup plus simples à comprendre et qui permettent d'avoir une réponse beaucoup plus précise et que le MQ, pour moi, est plus compliqué à faire passer. Ce qui ressort en fait de ça, c'est que la fonction sociale sort de manière importante et qu'ils estiment que c'est un jeu qui permet l'intégration et les échanges, qui stimule également de manière importante la mémoire parce qu'on va à la fois les questionner sur leur vie privée, mais également retracer un peu l'histoire de notre histoire humaine à travers les décennies. Tu trouves le jeu simple et maîtrisable, agréable et captivant. Voilà ce qui est ressorti vraiment de cette étude. À la question, est-ce que vous l'utilisez tous les jours? 40% des personnes, donc à peu près la moitié, pourraient l'utiliser tous les jours. Et 70%, pardon, souhaiteraient l'utiliser de nouveau, c'est-à-dire une semaine après, par exemple. On n'est pas dans la culture du jeu, on est sur des personnes qui ont 80 ans, donc on n'est pas sur des repères de jeu quotidien.
Alors, au niveau des perspectives, actuellement, on est en train de travailler avec le Living Lab Allegro, notamment Léna Karkreff, pardon, qui est en train d'écrire, en fait, comment dirais-je, les résultats de l'étude. Et l'idée, c'est de publier, en fait, un article. L'avenir, c'est aussi de présenter le jeu donc, dans le SGOG du 13 octobre à Fougères, dans un congrès de gérontologie. Et on est en train aussi d'essayer de développer le jeu sur le territoire, à la fois régional, mais pas que, parce que l'Imaginivers a une dimension nationale. Donc l'idée, c'est d'essayer de promouvoir le jeu à travers la France. Et puis également, voir si à l'avenir, on pourrait imaginer un autre type de projet de recherche, pas forcément sur l'utilisation du jeu, mais plus sur voir s'il y a un impact sur l'humeur, sur la qualité de vie, la mémoire, l'estime de soi. Et là, il y a besoin de peut-être encore plus creuser pour être plus précis sur les items. Alors, c'est un projet qui est soutenu également par le Living Lab Allegro et qui est soutenu par France Alzheimer 49, parce que j'ai eu l'occasion de présenter le jeu il y a un an dans les journées mondiales d'Alzheimer. Et on est en pourparlers avec France Alzheimer France pour voir s'ils peuvent nous aider également dans le développement du jeu. J'espère que je n'ai pas été trop vite, mais bien sûr, je suis disponible pour toutes les questions. Merci. Merci à toi, Laurent. On va revenir à la page principale. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions à adresser à Laurent sur ce jeu innovant. Nous, on en a plein, mais on vous laisse la parole en premier si vous souhaitez vous exprimer. Sinon, je vais commencer, si tu veux bien, Laurent. Dans ce que j'ai compris de ce que tu nous as présenté, hein, ce jeu, c'est d'abord une innovation avant d'être un projet de recherche. Est-ce que, si tu devais le refaire aujourd'hui, tu penses qu'il serait envisageable d'intégrer cette dimension expérience utilisateur, finalement, dès le début de la conception de ce projet? Parce qu'en fait, on a eu l'occasion d'avoir, lors d'un j'ai eu de la recherche précédente, une collègue qui nous a présenté également une lecture critique d'article sur ça, sur l'intégration en fait hein, de l'expérience utilisateur et de la connaissance qu'on prend directement auprès des patients. Voilà, quel est ton sentiment sur cette. Ah bah, avec le recul, effectivement, ce serait intéressant d'associer les deux en même temps. À la fois être dans l'innovation, mais également dans l'expérience utilisateur, parce que ça permettrait peut-être gagner du temps dans la conception du jeu. Parce que nous, on est parti, je pense qu'on ne s'est pas trompé, on est parti sur une idée avec Imagine VR, sur le, comment dirais-je, sur intégrer le savon français et le faire vivre par rapport à ça. Peut-être que ça aurait été intéressant d'intégrer aussi. Le projet de recherche tout de suite pour voir l'impact auprès des personnes âgées, pour voir si on part bien dans la bonne direction. J'enchaîne. S'il n'y a personne d'autre, j'enchaîne, je me permets. Là, tu nous as présenté aussi donc, toutes les perspectives à venir et on comprend tout à fait hein, tourner vers encore les patients et leur utilisation. Et moi, ma question finalement, c'était est-ce que vous envisagez, enfin toi et l'équipe de recherche avec laquelle tu fais ce travail, de coupler cette analyse en fait auprès des patients vers finalement les soignants en leur demandant finalement est-ce que dans leur pratique soignante, le fait que les patients aient accès à ce jeu et donc stimulent leur mémoire, finalement est-ce qu'ils peuvent s'en resservir après? Est-ce que le fait qu'ils se soient souvenus, je sais pas, de tel ou tel événement, c'est quelque chose qui peut être repris après dans les pratiques de soins au quotidien et du coup, savoir si ça a un impact sur la vie en institution ou sur une hospitalisation longue dans un service de gériatrie, par exemple, ou si, voilà, comment ça a un impact finalement sur la vie des services Alors, des soignants. donc le jeu en réalité virtuelle et le jeu de base, les deux, j'utilise encore, j'utilise le jeu de base encore et j'utilise le jeu en réalité virtuelle. D'accord? Naturellement, le jeu en réalité virtuelle propose une approche quand même beaucoup plus intéressante parce qu'il y a les lunettes, je peux parler, mais il y a les lunettes en fait interactives qui apportent aussi quelque chose d'intéressant parce qu'on peut
l'impression d'être dans quelque chose de 3D, enfin, c'est assez bluffant. Lorsqu'on va commencer à parler de la mémoire, des événements, des chansons, c'est un impact sur la vie de la personne. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, derrière, moi, mes collègues à qui je travaille, ce sont les infirmiers et les soignants, même les médecins, hein, qui font des retours, le fait que les personnes ont bénéficié d'une séance, ça a plutôt un impact positif, dans le sens où les personnes vont, bah, déjà, vont sortir de manière plus joyeuse, déjà, donc c'est pas inintéressant, déjà, de ce côté sur le bien-être, mais également, ils vont être plus dans l'échange. Par exemple, ce matin, j'ai fait une séance avec 4 patients en collectif. Je les ai quittés la séance, ils continuaient à parler de l'événement. Et le midi, lorsqu'ils mangent ensemble, ma collègue Mélanie, qui est infirmière coordinatrice, elle constate que ça permet les échanges. Ça permet tout de suite une adhésion, une interaction beaucoup plus rapide auprès des patients. Ok, donc ça veut dire que ça pourrait être un projet de recherche pour faire une publication sur finalement. Sur ça, en fait, sur l'interaction et l'interaction avec les soignants aussi, peut-être, et avec l'impact sur la vie dans les institutions. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'en fait, bien souvent, alors moi, je travaille beaucoup aussi avec les aides à la marche au SMR. Mm-hmm. Donc, c'est les personnes qui font marcher les patients. Et c'est ces personnes-là qui, des fois, m'amènent les patients dans l'installe où je travaille. Après, elles les raccompagnent dans leur chambre et il y a beaucoup d'échanges sur ce temps-là, ce qu'on appelle les temps informels. Ouais. Cet informel, en fait, donne aussi, il quitte la séance, mais il continue encore à discuter avec le soignant. Voyez, et souvent, ils ont besoin justement de parler de ce qu'ils ont pu vivre, de ce qu'ils ont vécu à travers des décennies, ou chanter. Certains, des fois, parlent en chantant aussi. Oui, on sent que ça met en œuvre un certain nombre d'éléments qui vont venir améliorer en fait, la qualité de vie des patients, la difficulté, comme on s'adresse à nos collègues chercheurs paramédicaux, la difficulté dans ces cas-là, c'est toujours la même, c'est d'arriver à objectiver tout ça pour que finalement, tous ces travaux qu'on fait, toutes ces innovations qui sont mises en œuvre puissent être validées, on va dire, scientifiquement, de la même manière que les questionnaires qui ont été faits là sur l'expérience utilisateur permettent d'acter de manière objective, parce que nous, notre impression, forcément, quand on crée, on cherche, on a envie que ça fonctionne, mais voilà, le fait que le questionnaire soit rempli par un certain nombre de patients et que ça vienne étayer ces sentiments qu'on a au démarrage, rend le dispositif scientifiquement recevable. Tout à fait, tout à fait. Je peux juste constater. Ce matin, j'avais un groupe de 4 personnes, dont une patiente que je suis depuis le mois de juin, à raison d'une fois par semaine, en collectif. Toujours avec un groupe de 4 personnes. Les premières fois, lorsqu'elle arrive à l'hôpital le jour, elle est plutôt rétractaire, elle n'a pas envie, elle n'a pas envie de participer, elle est même à distance, elle est des fois un peu même, n'a pas envie d'être présente. Aujourd'hui, là, on en est à la 4e séance, l'interactivité, le fait de parler des événements de sa vie et de chanter, même si ce n'est pas sa culture, c'est plutôt musique classique. Aujourd'hui, elle est souriante, elle parle, elle donne des éléments de sa vie, alors qu'au début, ce n'était pas du tout envisageable, et elle est en interaction avec les autres personnes. Elle s'intéresse aussi à la vie des autres. C'est ça aussi qui ressort, c'est ce côté, en fait, s'intéresser à la vie des autres. Et ce jeu-là permet ça, en fait. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent. Moi, je me posais la question, est-ce que ce jeu, cet outil, en fait, pourrait être, parce que là, si j'ai compris, il est utilisé essentiellement dans le milieu médical, est-ce qu'il pourrait être transposé et proposé, par exemple, aux communes pour proposer des animations aux seniors dans un but de prévention à la perte de mémoire? Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour répondre à la question, je l'ai testé en soirée, ouais. Avec des gens qui n'étaient pas forcément âgés. Et il y a aussi cet élément-là, en fait, c'est que ça, j'ai pas pu tout montrer parce que maintenant, le temps ne nous permet pas, mais comme on part de 1960 jusqu'à 2020, on va parcourir. Alors, je l'ai fait en chanson française. J'ai une version en chanson anglaise pour mes vieux jours à moi lorsque je serai en EHPAD.
paramètre du Led Zeppelin et du Pink Floyd. Mais là, en fait, ça retrace toute l'histoire aussi des événements importants comme le 11 septembre 2001, l'assassinat de Kennedy, quand il passe sur la Lune, des éléments qui ont marqué en fait notre humanité. Donc, c'est aussi, lorsqu'on joue comme ça à plusieurs, dans une manière ludique, ça permet aussi de voir en fait, d'interagir et de discuter sur l'événement. Donc, effectivement, ça peut s'adapter, bien sûr, à des personnes qui n'ont pas forcément de troubles sévères et dans le maintien cognitif, tout à fait. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est prévu qu'il y ait quelque chose qui soit fait dans les, je sais pas, dans les mois, dans les années à venir, ou est-ce qu'il faut que ça soit une demande des communes si elles ont connaissance de ce jeu, ou en fait, vous en êtes où avec ce projet-là, quoi? Alors là, le projet, le projet en tant que innovant est terminé. Il y aura toujours des modifications à faire, bien sûr, parce que c'est comme c'est un logiciel va vivre à travers les années, donc va évoluer à travers les années. Mais là, il est terminé en tant que, qu'on dirait, création du jeu. Là, le partenariat, c'est un partenariat donc CHU d'Angers et ImagineVR. Donc, ImagineVR, c'est une entreprise de Laval qui a développé le jeu. Et là, on est en train de finaliser les contrats d'exploitation. Mais là, c'est imminent. Et on ne souhaite le commercialiser le plus tôt possible d'ici la fin de l'année. D'accord. Bien. Et puis, donc, il faudra être attentif à la commercialisation, entre guillemets, de cet outil, en fait. Après, pour ceux qui sont intéressés, je peux vous laisser mon adresse mail et on peut après discuter par la suite de comment vous êtes intéressé et envisager le déploiement. Ça peut être, je peux vous laisser mon contact et puis on peut rester en contact par la suite si vous êtes intéressé. D'accord, bon. Une question pour la suite, effectivement, Laurent. Du coup, à partir du moment où il sera commercialisé, par rapport à la recherche, voilà, on a bien vu que c'était un axe de recherche en fait, pour évaluer le jeu, mais qu'il y a plein d'autres questions qui pourraient être aussi évaluées par la recherche, notamment voilà, sur ces questions de sociabilité. Est-ce que, du coup, ça veut dire que demain, le jeu il sera commercialisé? Tout un chacun pourra utiliser le jeu pour faire un projet de recherche, l'évaluer sur un autre point, avec ou sans ta collaboration. Il faudra forcément que ta collaboration. Comment ça se passe après dans le futur, d'un point de vue plus évaluation d'outils, comment t'imagines les choses? Tu parlais peut-être d'autres projets de recherche, comment est-ce que ça. Alors, la question est très pertinente. Je n'ai pas pensé, mais c'est une bonne question. À partir du moment que les centres de soins, ceux qui souhaitent, vont acquérir le jeu, ils en sont propriétaires. D'accord? Donc après, s'ils souhaitent mettre en place des points de recherche sur un point spécifique, ça leur appartient. Si ils veulent échanger avec moi sur le sujet, en fonction de mes disponibilités, je serai toujours d'accord, mais à partir du moment qu'un centre de soins bah, prend le jeu, il va en faire ce qu'il veut à sa convenance. Pour reprendre à ça, en fait, je suis en partenariat, en discussion avec le CHU de Chalonne, qui j'étais fait donc j'étais fait une démonstration du jeu au mois de juin à Chalonne et bien sûr intéressé. Donc le partenariat, en fait, c'est de dire si la structure achète le jeu. Il y a une aide au démarrage, c'est-à-dire qu'il y a une formation pour savoir comment paramétrer le jeu, comment l'utiliser dans sa globalité. Et puis après, c'est assez simple, c'est assez intuitif. Et après, le centre bah, démarre, quoi. Donc, à la fois, il y a une aide au démarrage, et une fois que c'est démarré, bah, s'ils veulent faire un point de recherche, ils peuvent faire un point de recherche. Même une porte ouverte, pas de projet multicentrique. Alors, bah, avec grand plaisir. D'accord. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça pourrait également intéresser les orthophonistes. Tout à fait. En fait, si vous voulez, alors pour le jeu, en fait, donc je répète, il y a les événements et les chansons. Vous me direz si j'ai bien compris la question, hein, ça peut intéresser les orthophonistes. Durant le jeu, on chante. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à la fois, on va explorer la mémoire autobiographique de la personne. On va également discuter des événements
proposer et on va chanter la chanson. Par exemple, tout à l'heure, on a entendu Cabrel, Saint-Bacane ou Joe Dassin, les Champs-Élysées. On va chanter cette chanson-là. Donc, les chansons ne sont pas, comment dirais-je, elles n'apparaissent pas à l'écran du jeu parce qu'on s'est dit que ça allait alourdir et que ce n'est pas toujours facile de lire à l'écran. Donc moi, j'ai, alors c'est le petit, peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse à améliorer ça, mais les chansons sont sur un papier, enfin, format A4, lisible, et donc j'ai ça en supplément. Et j'ai une collègue orthophoniste qui, juste à côté de mon bureau, qui est très intéressée par le jeu, justement. Donc il faut qu'on se rencontre pour voir comment elle pourrait peut-être l'utiliser également. Donc pour répondre à votre question, je pense que effectivement, ça peut intéresser les orthophonistes. Merci pour vos questions. Est-ce que avant qu'on clore ce webinaire, on est largement dans les temps. Certains d'entre vous auraient encore des questions pour Laurent, que ce soit d'un point de vue pratique du jeu ou recherche liée à l'utilisation de celui-ci. C'est bon pour nous. On va vous remercier de Laurent d'abord pour cette présentation très riche, d'avoir accepté de participer à ces Jeudis de la Recherche. Vous remercier tous pour votre participation, nombreuses encore une fois, et on est ravis que vous soyez toujours aussi nombreux à nous suivre. Comme on vous le disait en introduction, vous retrouverez ce webinaire sur notre site larechercheparamédicale.fr. N'hésitez pas à partager la vidéo lorsqu'elle sera disponible dans les semaines à venir. On fait toujours au plus vite, mais... Prochain rendez-vous, le 5 octobre 2023. Et je profite de cette rentrée de septembre pour vous dire que les candidatures pour participer au Jeux de la Recherche paramédicale sont ouvertes pour 2024. Et donc, si vous souhaitez nous faire part de votre projet de recherche, de vos travaux, nous proposer une lecture critique d'articles sur la thématique de votre choix et faire partager à la communauté du Grand Ouest vos centres d'intérêt recherche, n'hésitez pas à nous contacter et à nous le faire savoir, de manière à ce qu'on puisse vous programmer au cours de l'année 2024. Nous commençons déjà à avoir des demandes, donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs profils. Et comme vous voyez aujourd'hui, Laurent est art-thérapeute, nous avons reçu aussi des cadres de santé, des collègues infirmiers, des IPA, des kinés. Donc, plus vous êtes nombreux et plus les Jeudis de la Recherche paramédicale sont riches et intéressants. Donc, merci à tous pour votre implication. Merci encore une fois, Laurent, et merci à vous. Au mois d'octobre. Merci.